Yo tout le monde, c'est Gimpimus194 et on se retrouve sur une map. Pourquoi? Pourquoi sur une map plane? Car nous sommes dans l'émission construction suivie de la map. Construction suivie de la carte de GTA 3. Et oui, donc nous allons créer ensemble, suivi et tout, en créative. La map de GTA 3, et oui. Et donc, je n'ai pas de plan, j'ai rien du tout. On va se mettre quand même en paisible pour pas que les monstres viennent nous embêter durant la série. Et donc, bah, je n'ai aucun plan. On fait ça à la one again. Voilà. Donc, et putain, j'en ai marre de détruire des trucs, moi. Donc, bah, nous allons commencer tout de suite. Et donc, c'est parti. Donc qu'est-ce que j'avais envie de faire aujourd'hui? J'avais envie de commencer par la planque. Donc la planque qui sera ici, on va dire. Voilà. Donc j'ai déjà besoin de pierres, de roches. Pour commencer à faire un vieux chemin. Voilà. Donc voilà. Donc, hop là, hop. Alors si c'est trop long, je ferai des petites ellipses, voilà. Voilà, ça, c'est quand on arrive. Ou alors c'est un peu trop grand, je trouve. Moi qui joue beaucoup à GTA 3, et oui, pas au 4. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette map, de reconstruire cette map sur. Sur GTA, sur Minecraft. Et ici, ça va être la grande route. Donc là, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Ici, c'est un mur. Je ferai pas tout le mur, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour prendre mes repères. Là aussi, pareil. Voilà. Et à partir d'ici, là nous avons un virage comme ça. Donc j'essaie de me rappeler comment c'est. Tac. Donc le mur il continue comme ça. Donc c'est la planque là que je fais. On va faire un truc comme ça. Voilà. Donc voilà. Là, il faut un truc pour reculer comme ça, parce que là c'est le garage. Alors, on fait d'abord la. Alors, je vous rappelle que c'est sans plan, donc voilà. Tac.
Et on va même décorer l'intérieur, même si on voit pas l'intérieur dans GTA. Et 3 de la planque, on va la décorer. Là, je me rappelle qu'il y a des escaliers quelque part. Donc là, ça va faire un truc comme ça. Si ça va pas, je changerai hors caméra. Donc on pourra rentrer dans tous les bâtiments quand la map sera finie. Donc c'est long, dans longtemps que ça sera fini cette map. Tac. Ben voilà. Je trouve ça que c'est bien. Donc là, petite ellipse pendant que je mets tout ici et que je mette de la pierre. A tout de suite. Et voici, ben voilà, me revoici, j'ai tout fait là, j'ai tout fini. Et donc ici j'avais prévu de mettre. On va faire un peu plus grand quand même parce que c'est le garage. Il faudra faire un toit. Voilà, tac, on va mettre le toit ici. Le toit du garage. Voilà. Et j'avais dit de, et je voulais mettre des grilles. Donc on va voir ce que ça fait avec des grilles. Des barreaux, voilà. Faire la porte du garage. Oh putain. Voilà, la grille du garage. Voilà pour les gens qui veulent y aller. Et là, je continue. On s'espère, on s'en fout. Non, pas ça, c'est là. Et on va continuer à faire ça. Agrandir ici. Voilà. Est-ce qu'il y en a un escalier qui va donner ici? Et on fera ça peut-être au prochain épisode de la maison de la. De là. Voilà. Donc, faut que je trouve les escaliers qui sont là. Oh, les escaliers en pierre. Ou escalier en pierre comme ça. Alors, dites-moi c'est quel le meilleur dans les commentaires. Entre celui-là. Entre ces escaliers. Et ces escaliers. Non, ça donne pas bien. Je pense que c'est mieux de garder cela. Mais ne vous inquiétez pas, la planque, on va bientôt la faire. Avant ici on va faire l'encadrement de la porte. Donc voilà, ici ça sera la porte. Voilà. Donc maintenant, merde. Donc maintenant, occupons-nous d'ici. Il me faut des demi-dalles. Tac, voilà. Donc on va en mettre ici. Voilà. Et ici, bah, il y aura les ventilateurs. Mais je sais pas toujours comment faire ça.
Donc, si vous avez une idée pour mettre comment mettre les ventilateurs. Je prendrai bien. Donc si vous... Attends, d'abord on va mettre la porte là-bas. Attendez, on va mettre la porte. Porte, porte, porte. Allez. Enfin, pas une porte en fer. Voilà. Donc voici la porte pour rentrer, pour aller là-bas, qu'on fera ça plus tard. Voilà. Ici, la porte. Non mais attendez avant. Ici ça va être. On va mettre du. Parce que ici c'est de la. Des planches. Et ce qui est bien, regardez, ça fait la même taille. Pour le toit, ça serait super. Donc, si vous avez une idée pour les ventilateurs ici, je prends bien. Je prendrai volontiers l'idée, mais comme je n'ai pas d'idée pour l'instant, eh ben on ne le fait pas, voilà. Donc, ben on va continuer ici, voilà, à faire la planche. Donc, comment je vais pouvoir faire ça? Alors, la planche finira là et. Ouais, c'est assez grand ça. Donc voilà. Voilà comment sera la planque. Oui, je sais, c'est petit. Mais je suis obligé. Petite ellipse. Et nous revoici, c'est bon, tout a été réglé. Ça sera la planque. On va attaquer le toit. Voilà. Tac, ça c'est fini. Alors on va mettre un lit, parce qu'il y a un lit pour dormir. Tac, voilà. On va mettre des torches aussi parce que pour que ce soit un peu plus joli. Pour qu'il y ait un peu de lumière le mec quand même. Voilà. Et puis là on va mettre pas de coffre piégé. Un coffre, une table de craft. Et voilà ça. Et là ici avant il avait là on va dire que là quand on a réussi une mission d'habitude ici on a des livres de on a des livres donc je sais pas comment faire ça les livres donc si vous avez une idée donnez-la moi s'il vous plaît donc bah voilà ce qui va mettre un terme à notre premier épisode vu qu'on a fini la planque voilà alors la prochaine fois je sais pas qu'est-ce qu'on fera mais voilà on a la planque alors ici d'habitude aussi il y a une batte de baseball ici. Donc ouais, et ici bah, il y a les armes d'habitude. Ah oui, et si vous avez aussi quelque chose à faire pour les ventilos qui sont là, je prendrai bien, voilà. Donc bah, nous on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Voilà. Donc salut tout le monde, c'était Link8894 pour ce premier épisode de la construction de la map de GTA 3. Ça prendrait je pense beaucoup beaucoup d'épisodes. Donc voilà, donc salut tout le monde.